Petite vidéo rapide pour vous expliquer comment configurer le Wi-Fi de cette horloge. Par exemple, si on vous a offert cette horloge ou alors si vous l'avez déplacée, par exemple, vous avez besoin de la connecter à un nouveau réseau. Dans un premier temps, ce que vous faites, évidemment, vous l'alimentez. Donc là, vous voyez qu'il y a juste la LED rouge et la LED jaune qui brillent. Les deux vertes sont éteintes et tous les afficheurs sont éteints. Donc ensuite, on prend son téléphone et on va dans les paramètres Wi-Fi. Donc là, vous pouvez aller dans les réseaux disponibles et rafraîchir plusieurs fois, parce qu'en général, ça met un petit peu de temps. Il y a un point d'accès qui va se créer, qui s'appelle BTTF Clock. Donc ça peut mettre parfois quelques secondes, voire même parfois une minute. Voilà, donc là, le réseau est apparu. Donc je clique sur BTTF Clock et je tape le mot de passe qui est password. Password connecté. Donc automatiquement ça va ouvrir une page avec du coup le bouton configure Wi-Fi, il suffit de cliquer dessus. Ensuite vous sélectionnez votre box internet, vous rentrez le mot de passe, votre mot de passe Wi-Fi. Et save. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que l'horloge se connecte directement et l'heure se met à jour et la date. Et c'est tout. Maintenant, le jour où vous changerez l'horloge de place et de réseau, vous n'avez que à refaire la manip. Automatiquement, en fait, elle créera le point d'accès BTTF Clock. Il suffira de mettre le nouveau mot de passe.